Moi, c'est Gainsbourg. Toi, c'est Gainsbourg. Moi, je trouve que c'est une gueule. Alors, tu te dis quoi, matin, quand tu sors des vapes, tu te regardes dans la glace. Je me dis, oh, mettez-nous ça, patron. À part tes oneilles, comme dirait Ubu, tu changerais quoi si t'avais une baguette? Qu'est-ce qu'ils ont? Tu me cherches, toi, hein? Je changerais. On pourrait bien changer de queue. Un plus gros calibre. C'est du genre. Rechargeable. 8 coups. Dis donc, petit gars. Quand t'étais petit, quand t'étais. Hein? Non venu. Tu voulais ressembler à quoi? Je connais une phrase de Picabia qui dit: moi, monsieur, je me déguise en homme pour n'être rien. T'es baisé, là, hein? Question insidieuse. À Strasbourg, devant les parrains, tu t'es vu mourir comme John Lennon? Dis-moi si c'était des couilles. C'était pas de l'intrépidité, c'était du courage. Parce que l'intrépidité, c'est la connerie. C'est, allez, on charge. On y va, la casse-tête, ça. Le courage, c'est de vaincre sa peur. Voilà. Voilà mon petit Gainsbourg. Dis-moi, Gainsbourg. Tu penses que tu vas mourir comment? Tu as crevé? Pour bientôt? Hein? Si on parle de mathématiques. Comment je vais crever? Tu auras un coup? J'espère. C'est la plus belle. S'envoyer en l'air. C'est la plus belle mort. Mais sans louper. Sans, en envoyant la purée quand même. Ah, faut ce qu'il faut. Classe, classe. Classe! Et tu te souviens, en 47-48, les 8 jours que t'as passé chez Dali, hein, avec le salon tapissé d'astrac. Ouais, j'avais les clés. Et lui était à Cadaquès. Ben, je crois que c'est pour ça que tout est noir chez moi. Parce que c'était noir chez lui. Il avait des chiottes. Putain, on aurait dit. En acajou, on aurait dit un. Je sais pas, le hall du Raphaël. Et j'ai tringlé une fille sur un lit carré, carré de 3 mètres sur 3, que j'ai fait idem chez moi. Et par terre, il y avait des Miro, des Clés, des Picasso, des Dali. Ça m'a marqué à vie. Parce qu'il y avait une odeur de soufre et de hyperluxe. Et pourquoi t'as brûlé alors tes toiles à l'âge de 30 ans? Tes croûtes? J'ai pas brûlé. J'avais le couteau de peintre et puis j'ai changé de temps. J'ai passé de l'expressionnisme, ou dadaïsme, ou surréalisme, ou cubisme, impressionnisme, puis j'étais foutu. Alors j'ai changé mon prénom, et ça a commencé à rigoler. Maintenant je vais te piéger. En 1959, tu déclarais, il y a 30 ans, je chante pour pouvoir un jour reprendre la peinture. Alors, explication, petit gars. Pas trop ça. Si j'ai encore. Tu vois, j'arrête de boire, ça tremble pas. Si j'ai encore l'acuité visuelle. Il y a une phrase de Delacroix qui est très cruelle, mais qui est superbe, qui dit ceci: un peintre doit savoir attraper au vol un ouvrier tombant d'un échafaudage dans le temps qu'il met à tomber.
dur, mais c'est super. Entre Gainsbourg et Gainsbourg, t'aurais pas préféré Gainsbourg ou le peintre de l'harmonie? Je sais bien que tu connais l'harmonie, mais sur les claviers. Pas con, là. T'es pas con, petit Gainsbourg. Gainsbourg, bah, il a un musée. Et moi, je suis bien encadré aussi. J'en ai eu des beaux tableaux dans ma vie. Je les ai tirés, ces pièces sont tirées. Ah bah oui, parce que les donjons, ils ont toujours dans le cul. Dis-leur, Gainsbourg. Tu crois pas qu'il serait temps pour toi de rejoindre un beau en Abyssinie? Ah, il serait temps. Ouais, pour moi, c'est le plus grand. Avec Picabia, hein. Parce que celui qui n'a pas lu Jésus-Christ Rastaquaire, bah c'est vraiment le dernier des cons. Il y en a beaucoup, puisqu'il a tiré qu'à 4000 exemplaires. Il y a beaucoup de cons. On est cerné par les cons. D'ailleurs, toi, le premier, t'es un con. Gainsbourg. Et je t'emmerde. Evgeny Sokolov, tu penses que c'est un bon bouquin ou que Gallimard l'a publié parce que c'était toi? Ah mais oui, mais je suis entre deux fiottes, par ordre alphabétique, entre Genet et Gide. Ah, faut le faire, ça. Genet, 15 bourg, et Gide. That's classe. Gainsbourg, tu as dit quelque chose de pas très con, pas trop con. L'homme a créé les dieux. L'inverse reste à prouver. Hein? T'es toujours athée, mon petit gars? Non, je crois que je vire au polythéisme. C'est-à-dire, je mets toujours les dieux au pluriel, de peur qu'il y en ait un qui le prenne mal. Dans Mauvaise Nouvelle des Étoiles, tu as dit Dieu est juif. Ça veut dire quoi, juif? C'est tout simple. Jésus était de race sémite. Il a dit « Je suis le fils de Dieu ». Élémentaire. En 1942, tu en veux aux Français d'avoir cousu une étoile de shérif? Je n'en veux pas à la Wehrmacht. C'était des pauvres mecs qui faisaient l'occupation. J'en veux aux miliciens. Enfin, j'en veux. Il y a prescription. Pas faire un coup, là. C'est vrai que pendant la guerre, pendant une perquisition, tu te cachais à quelques kilomètres de Radio-Sur-Glane. Carte d'état-major. Dixit. Eh oui, j'ai eu des sursis dans ma vie. Et ça, c'est un des plus importants. Coco. Je vais te poser une colle. Et comme t'es pas con, tu m'as sûrement envoyé une vanne. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.